Eh bien bonjour, je suis heureuse de vous retrouver Balance pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. Après avoir mis en ligne votre guidance générale du mois de septembre, eh bien on va parler un peu amour, love, sentiment. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis Brigitte Crespo, voilà, je reviens après un an et demi d'absence, en recommençant les guidances d'août de septembre, puis maintenant voilà. On finit septembre avec le sentimental avant de voir la suite d'octobre, comme le temps passe vite. J'espère que vous allez bien en tous les cas. Et bien sûr, je suis heureuse d'être avec vous une nouvelle fois. Alors, bien, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de mettre des pouces. Je réponds à vos commentaires avec grand bonheur. J'organise le concours de mon retour sur YouTube pour gagner une voyance avec moi par téléphone. Et bien, il suffit de vous abonner, de marquer que vous êtes abonné, de noter votre participation en commentaire. Je vous inscris dans quelques jours, nous verrons, début septembre, nous verrons le gagnant ou la gagnante. Je ferai une vidéo spécialement à cet effet. Alors, eh bien, avec les jolies fleurs qui sont là, avec Kaline qui joue à mes côtés, eh bien, on va voir Balance, votre tirage sentimental. J'ai repris le magicien qui était dans votre guidance générale dans le poste sentimental. Et vous avez rien que cela, c'est pas mal du tout, Balance. Avec le magicien, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures au point de vue sentimental. Ce qui veut dire, bien sûr, que eh bien, c'est un tirage important, c'est un mois important sur le plan sentimental, ascendant Balance également et lune en Balance. Et je vous invite notamment également à aller voir votre ascendant pour ce mois de septembre, notamment dans la guidance générale comme dans la guidance sentimentale. Alors, c'est intéressant parce que nous avons donc ce magicien qui est là, et moi je vais mettre les cartes comme cela. Ce magicien qui est là, le fou. La grande prêtresse, qui est la papesse, la tempérance et la tour foudroyée. Alors c'est très intéressant, pourquoi? Parce que dans le tarot de Marseille, le fou que vous êtes, hein, c'est-à-dire votre avancée dans le monde, eh bien, part du magicien, et nous avons un chemin intéressant qui est l'évolution dans votre vie sentimentale. Les 10 premières arcanes majeures qui sont le fou dans son chemin solaire, dans ses premières expériences qui forgent son identité, eh bien on a le magicien, le fou, la grande prêtresse. Et ensuite, nous avons ensuite dans un chemin lunaire avec la tempérance et la tour foudroyée, eh bien, des bouleversements, des changements, une évolution spirituelle, je dis bien. Alors, eh bien, ce magicien, de quoi parlait-il? Ce magicien, c'était la lumière dans son côté lunaire. Ce magicien, eh bien, c'était la manifestation de votre habileté, de votre pouvoir. Et ce fou, eh bien, il prend du magicien tous les outils pour avancer dans sa vie sentimentale, puisqu'on parle sentiment, ses outils, ses possibilités qui sont là. Alors, j'espère que vous voyez les cartes. Et on a ce magicien avec ce fou qui part dans son avancée sentimentale, et vous êtes ce fou. Et ce magicien, vous, qui puise ses énergies aussi bien dans le ciel que dans la terre, il y a une manifestation, une inter... Comment pourrais-je dire? Une complémentarité, une... Ah, j'arrive pas à trouver le mot, bien... Ah, ça va du ciel à la terre, du ciel à la terre. Vous avez le mot, j'en suis certaine, marquez-moi en commentaire. Une interdépendance, enfin, j'arrive pas à trouver le mot, entre ciel et terre pour bien faire que ce fou ait cet élan, cette avancée, cette énergie. Eh bien, c'est l'idée de créer vos rêves, de créer votre vision d'amour, hein, dans la réalité. Ce fou, il va partir à l'aventure et vous allez partir à l'aventure pour créer, eh bien, cet amour, cette... Ah, j'arrive pas à le dire, excusez-moi, il y a des moments où on n'arrive pas, il ne faut pas chercher. Ça vient quand on ne cherche plus. Donc il y a un travail spirituel, mais un travail matériel, puisqu'on est entre le ciel et la terre.
différentes énergies interconnectées, voilà, je cherchais le mot, je l'ai trouvé, interconnectées, et tout cela, ben, va faire que ce fou va se lancer à l'aventure de sa vie sentimentale pour trouver son identité. Il forge son identité sentimentale et on est dans une évolution intéressante, une évolution solaire, avec cette grande prêtresse qui va lui donner la sagesse et lui demander de faire appel à son intuition. Alors, moi je vais reparler du magicien. Le magicien, il va de l'avant, mais il va de l'avant bien ancré dans le sol, hein, il est ancré, et il va donner dans cette impulsion première au fou qui est là, ce fou qui est l'étincelle de départ de votre vie amoureuse, l'élan. Alors c'est très important, je l'ai dit, il y a quand même 4 arcanes majeures, il y a beaucoup de bâtons aussi dans votre jeu, avec le 7 de bâton, le 4 de bâton, le 9 de bâton. Et là on pourrait dire qu'il y a une idée aussi dans votre jeu balance, comme ce fou d'implication, d'organisation et de structure. Parce que le fou, il sait où il va. Hein. Il est sage beaucoup plus que fou parfois, et souvent, je dirais même. Et c'est pour ça que ce n'est pas du tout organisé, votre jeu. Il n'est pas du tout désorganisé. Au contraire, il y a beaucoup d'organisation avec ce magicien, ce fou, cette grande prêtresse, cette tempérance et cette tour. Beaucoup de fêtes aussi, de joie, beaucoup de satisfaction. Hein. Beaucoup d'établissements, on le verra avec cette reine de deniers qui est là. Hein? Alors, une fois que le magicien, eh bien, il a donné à ce fou, eh bien, les énergies qu'il faut pour avancer, eh bien, ce fou, il se lance dans une nouvelle expérience amoureuse. Il est en quête de vérité sur Terre et vous êtes en quête de vérité. Alors, un nouveau départ, peut-être, si vous rencontrez quelqu'un, si vous voulez aller à la rencontre de quelqu'un, mais il y a un projet de vie sentimental qui se met en place. Peut-être des enfants, un mariage. Vous démarrez quelque chose de nouveau et vous avez cette foi qui fait, avec guidée par cette intuition de la grande prêtresse, qui vous invite, hein, ben, tout simplement à vous lancer dans le vide, à faire confiance à la vie, à faire confiance en l'autre. Et ce fou, c'est un œuf, hein, c'est un œuf O-E-U-F avec ce zéro. C'est l'œuf où tout est inscrit, où tout est là. Qui demande qu'à se manifester dans la matière. C'est aussi un cycle qui commence, mais c'est aussi un aboutissement. Ça peut être pour vous un aboutissement si vous désirez, par exemple, vous marier, avoir un enfant. C'est un cycle qui commence si vous voulez, eh bien, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un. Hein. C'est un cycle complet qui est là. Un cycle humain de recherche d'identité, de son identité amoureuse, puisqu'on est dans les sentiments, et de votre identité propre, puisqu'avec la grande prêtresse, vous faites appel à votre intuition, à votre élévation spirituelle, et on le verra d'autant plus ensuite avec la tempérance. Eh bien, on peut dire que voilà, ben, les dés sont jetés pratiquement, et on y va, et on se fait confiance, et on cherche sa vérité, et on cherche son amour, et on cherche l'autre, pour avancer, pour créer quelque chose ensemble, tout simplement. Hein. Il y a une étincelle de commencement, ou de recommencement, ou de complétude, ou de complément. Hein. Voilà, surtout si vous êtes en couple, eh bien, ben, peut-être vous voulez vous marier, vous voulez avoir un enfant, vous voulez avoir une maison ensemble. Hein. Il y a tout cela qui est là dans ce jeu, avec ce magicien qui a tous les outils. Il faut faire confiance en vous, faire confiance à votre intuition, à votre élan de vérité, à votre folie, mais dans une sagesse éclairée, hein, c'est ça. Et la grande prêtresse, eh bien, je le redis, elle vous demande de vous connecter à votre intuition, au mystère de la vie, au mystère caché, au savoir caché. On est dans le monde de l'inconscient, de l'énergie lunaire, donc dans les intuitions. On est dans la réflexion, dans l'éternel féminin, dans le féminin, dans la vie intérieure. Et là, eh bien, vous balance, que vous soyez homme ou femme, on vous dit davantage de vous connecter à votre vie intérieure pour avancer dans votre vie sentimentale. C'est la voix intérieure qui parle, c'est la confiance, parce qu'on est dans la sagesse aussi du soi supérieur, tandis que le fou, il est dans la sagesse tout court du monde matériel, mais il fait appel à l'énergie de la terre et du ciel qui, pourrait dire, se manifeste d'autant plus dans la papesse qui est la coucheuse des hommes, la coucheuse des âmes. Donc il y a une idée d'accouchement pour certains, oui, un accouchement, un enfant qui vient au monde, un enfant à venir. Et on vous dit de prendre les bonnes décisions, mais les bonnes décisions seront prises dans un travail intérieur. Hein. Il y a un retour à soi dans le grand livre de la vie, de votre vie. Et vous allez puiser les énergies régénératrices de cette lune qui est là, hein, avec cette grande prêtresse,
pour bien avancer dans, j'allais dire, dans, vous balance dans une nouvelle phase, comme la lune entame des nouvelles phases, dans une nouvelle phase de votre vie sentimentale. Hein. Et alors, on est magnifiquement, et je vais voir avec cette tempérance qui va parler d'être en cohérence avec vos valeurs, d'être dans la modération et l'équilibre. Et cette tempérance qui est là, eh bien, elle va parler de protection. Hein. Il y a une idée de protection. C'est un chemin lunaire. Je le redis encore une fois, qui fait appel à vos intuitions. Et moi, j'ai une carte qui est là avec mon oracle Smoothie in Love. Cet oracle Smoothie in Love de 5 à 6 cartes que j'ai créé, qui vous parle là de perfection, de concrétisation et de réalisation. Alors vraiment, vous êtes dans un cheminement de réalisation. Et je prends, avant de continuer sur les tarots, eh bien, une carte à sauter de mon arcane Love Code, qui est le langage des fleurs. Hein, j'ai créé deux oracles, pardonnez-moi, qui sont en vente. Et si vous voulez, bien, vous pouvez avoir des renseignements pour les commander. Et la belle de jour parle de passage, l'amour est un enfant capricieux. Alors, êtes-vous dans une relation qui n'arrive pas à, comment je dirais, à se manifester dans la durée ou dans des concrétisations ou dans des projets? C'est pour ça que je vais prendre une carte pour certains. D'autres, et on est avec la hyacinthe, l'amour vient à nous par grâce sans tenir compte de ce que nous sommes. Donc on pourrait dire que vous avez, eh bien, pour atteindre cette perfection de l'amour, un chemin à faire. Et pour ceux qui ont peut-être des choix à faire entre plusieurs personnes ou une relation plutôt ancrée dans quelque chose de plus léger ou dans une relation qui doit s'ancrer, eh bien nous avons cette perfection qui est là, la concrétisation qui va se faire sûrement, même si pour l'instant, pour certains, vous ne savez pas trop où vous êtes avec ce fou, hein, vous errez, vous cherchez votre relation à l'ancrer peut-être aussi, et on vous dit encore une fois de faire appel à votre intuition. Mais il y a quand même, avec cette hyacinthe, l'amour vient à nous par grâce sans tenir compte de ce que nous sommes. Donc il se pourrait que tout d'un coup, vous soyez illuminé, je pourrais dire, dans votre parcours sentimental, et que vous dites, voilà, Eureka, j'ai trouvé, c'est elle, c'est lui. Hein, voilà. Alors, cette grande prêtresse, elle va vous éclairer justement sur une relation peut-être naissante qui est là. Et nous avons la tempérance, comme je l'ai dit, qui parle de protection, hein, aussi de modération. Hein, avec cette tour à côté qui va briser les choses, qui va manifester un grand mouvement, un bouleversement. Hein, et on pourrait dire que cette tour, elle est là pour bousculer la façon de penser, la façon de faire. Hein. Mais on va parler de la tempérance, donc de cette prise de conscience, de la tour, de cette intuition, de ce fou qui cherche son chemin sentimental avec modération, parce que là, on vous dit encore une fois d'être dans l'équilibre avec cette tempérance. On est dans la patience et la foi pour aborder les mouvements, les changements qui sont illustrés par cette tour. Mais cette tour qui est un 16, qui est un 7, hein, qui est un chemin sacré. Le 7 est un chemin sacré, puisque 1 plus 6, le numéro de l'arcane majeur, c'est la tour. On vous dit que vous êtes avec ce 7 sur le bon chemin de l'accomplissement vers la victoire. On vous dit de suivre le courant, de faire confiance comme ce fou qui s'emballe parfois, mais qui a fait appel à sa sagesse intérieure. Et si la tour, eh bien, la tête est éclatée, les fondations demeurent solides, et si vous avez des difficultés dans votre vie amoureuse, eh bien, les fondations sont là, notamment si vous êtes en couple depuis un moment. Hein. Il y a des choses qui vont se passer, peut-être des prises de conscience, parce que vous voulez que les choses avancent différemment, peut-être dans votre vie sentimentale ou dans votre couple, mais on vous dit, oui, de suivre le courant, de ne pas arrêter les choses, mais de faire confiance, parce que si vous ne vous acceptez pas certains bouleversements dans votre vie sentimentale ou remise en question, prise de conscience, eh bien ce sera difficile. Mais cette tempérance, elle va vous aider, parce que là aussi, elle vous invite à suivre le courant, à rééquilibrer les choses, à vous recentrer, hein. Et puis il y a une idée de mélanger il y a une alchimie avec la tempérance, on mélange les eaux, on met de l'eau dans son vin aussi, on maintient son équilibre intérieur et on fait face aux événements s'il y a des perturbations, s'il y a des bouleversements. Mais ayez foi, parce qu'il y a des concrétisations qui sont là, et ce magicien, il vous dit encore une fois que vous avez tous les outils pour réussir. Hein.
Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on fait après tout cela, ces arcanes majeurs plus que majeurs dans votre vie sentimentale? Eh bien, on est avec ce 3 de coupe, on se rassemble, on est heureux, on fait la fête parce qu'on est entouré, aimé, on est protégé. On explore sa créativité dans sa vie sentimentale et on rassemble. Et avec l'autre et avec les autres, on fête des belles avancées dans sa vie sentimentale et c'est très très beau. Parce qu'on est heureux, on se rend compte qu'on arrive à s'accorder, à s'entendre, pardonnez-moi, sur une avancée que l'on veut faire avec l'autre ou avec les autres dans sa famille, sur le plan relationnel. Et tout cela, eh bien, on a envie de le montrer, de le fêter, de le manifester. Parce qu'on a un set de bâtons, là. Il y a beaucoup de bâtons, je vous l'ai dit. Ces bâtons parlaient d'organisation, de structure. On sait que l'on doit mettre en place des choses parce que on sait qu'on doit évoluer dans sa vie sentimentale, organiser les choses. Organiser les choses, eh bien, c'est peut-être préparer la chambre de l'enfant, préparer une union, préparer une maison, préparer ce couple à quelque chose de nouveau, hein, ou vous préparer tout simplement à recevoir l'amour. Hein. Eh bien voilà, ce set de bâtons, il vous dit quoi? Il vous dit, eh bien, je dois relever des défis, je suis à quelque chose de nouveau dans ma vie sentimentale. Et je dois assurer ma position, parce que c'est cela le 7 de bâton. Il y a une volonté justement de mettre toute sa vigueur et sa volonté, et là on est dans les sentiments. Hein. On est vainqueur déjà, on est vainqueur dans sa vie sentimentale, on a avancé, mais en même temps on doit assurer sa position. Donc, on fait appel encore à son intuition, on fait confiance en la vie, on suit le courant, on fait confiance à l'autre et on fait confiance à son couple. Et moi, je vais prendre une carte de mon oracle Smoothie in Love avant de continuer dans le 4 de bâton et le 9 de bâton. Ce 4 de bâton qui est là pour parler, encore une fois, de passage et de célébration et de gratitude. On est avec le 4 dans les fondations. Je vous avais dit que votre amour était solide, que même s'il y avait des changements au niveau de la tête, hein, on avait des fondations solides et on avançait. Ce 4 de bâton, eh bien, il parle de gratitude, de joie et de célébration. Alors moi, je vais prendre une carte par rapport à ce 4 de bâton. Coucou Nine, la maison, on fait son petit chez-soi, on organise sa maison, on a envie d'être bien, et d'autant plus qu'en septembre, c'est la rentrée, on a envie d'être heureux chez soi, c'est la maison, c'est la case, c'est le coucou Nine, hein, voyez. Et c'est ça que représente ce 4 de bâton. Le 4, c'est la maison, c'est les fondations encore une fois. Eh bien, on assure des liens solides, on assure eh bien d'être tout simplement bien avec l'autre, dans les bras de l'autre, dans un endroit confortable. Hein, voilà, on prépare tout cela, on a envie d'être chez soi avec l'autre, on a envie d'assurer quelque chose de doux. Hein, le coconut, c'est la douceur, hein, c'est tout ce qui est doux. Hein, voilà. Donc, on est heureux, hein, encore une fois, on célèbre ce bonheur et peut-être on prépare son nouveau foyer, son nouvel abri avec l'autre. Hein, c'est vraiment. Et ça peut être ce coucounine aussi, ça peut être bien simplement un amour, la maison de l'amour au plan spirituel, au plan simplement émotionnel, voyez. Hein, et il y a ces cœurs magnifiques. Alors le 9 de bâton, ben, il dit que tout simplement, vous avez tellement travaillé que vous êtes fatigué d'un coup. Vous avez fait beaucoup d'efforts, il faut dire, hein, pour rencontrer l'autre, pour assurer une évolution dans votre vie sentimentale. Mais on vous dit de récupérer, de persévérer, de reprendre votre souffle. Oui, mais c'est pas fini. Hein. Vous avez du soutien, vous avez des gens qui vous aiment, qui sont là auprès de vous. Hein. Et on vous dit quand même de faire refaire le plein énergie parce qu'il y aura de nouveaux combats dans le sens que avec ce page d'épée, on vous dit d'être dans la communication. Il y a beaucoup d'enthousiasme avec ce page d'épée parce qu'on est dans la jeunesse. Et c'est peut-être surtout pour ceux aussi qui rencontrent quelqu'un. Hein, il y a une idée d'explorer sa relation, d'explorer les choses différemment, de regarder eh bien, aussi sa relation, pourquoi pas pour les couples aussi qui sont dans une belle avancée différemment, de voir toutes les situations. Alors faites attention, il y a un peu d'irréalisme dans le page d'épée parce qu'il y a des projets parfois qui ne sont pas tout à fait réalistes. Mais on a cette reine de denier quelque part qui vient rétablir les choses parce que la reine de denier, elle est pragmatique. C'est la famille, c'est aussi tout le côté financier, sécurité qui est là. Hein. Si on prépare une maison, eh bien, il va falloir peut-être acheter une maison,
signer un bail de location, assurer aussi sa famille, d'autant plus s'il y a un enfant qui arrive. On avait peut-être, avec ce fou, il y avait l'idée aussi de construire un couple, mais d'avancer aussi, de faire un enfant. Eh bien, écoutez, pourquoi pas? Eh bien, on est là, c'est accompli, c'est l'accueil. Vous êtes dans l'accueil, l'accueil de l'autre, vous êtes aussi avec l'autre qui vous accueille. Travail, famille, cette rentrée est basée sur la sécurité, sur l'accomplissement, sur les succès, hein. Et on a l'idée, eh bien, qu'on vous demande encore une fois de puiser à vos énergies féminines, hein, comme cette grande prêtresse qui était là. On est quand même dans des cartes de féminin sacré, je dirais, d'intuition, des cartes assez lunaires. Et on vous dit, eh bien, voilà, concilier le travail, hein, parce que c'est cela que la reine de deniers, elle concilie la famille, le travail, elle est chaleureuse, mais elle assure aussi la sécurité des siens. Et c'est vraiment très très beau, et pardonnez-moi, et j'ai envie de prendre une dernière carte, une dernière fleur, pour voir ce qu'elle nous dit, pour les balances, lune en balance, ascendant balance, et il est sorti deux cartes, et je vais prendre, pourquoi pas. J'écris des poèmes d'amour, voilà, alors pourquoi pas, écrivez des poèmes d'amour. Un amour galant, c'est comme une rose qui bourgeonne. Vous voyez, beaucoup de choses à venir, beaucoup de rinceaux, de fleurs, de choses nouvelles grâce à cette capacité du fou là, qui crée, qui est ambitieux, qui a envie de développer ses sentiments, de les montrer au monde aussi et de les partager et de faire appel à son intuition. Il y a beaucoup de création, de poésie dans votre vie sentimentale. Peut-être parmi certains qui me regardent, il y a des poètes, et pourquoi pas, vous aimez écrire des mots d'amour, parler de votre amour en écrivant et en le chantant peut-être. En tout cas, c'est magnifique, mais il y a une idée aussi de l'amour qui est là. C'est très intéressant, la galanterie, un amour galant, c'est comme une rose qui bourgeonne, c'est pas à pas, voilà, l'amour ça se fait pas à pas, ça grandit pas à pas. Bravo, bravo, je vous souhaite le meilleur, vous balance, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à commenter, à partager, et je vous embrasse à tous, très beau mois de septembre sentimental, et très beau mois de septembre tout court, bye bye.